J'ai fait le lycée hôtelier du Touquet, et après j'ai tourné 3 ans et demi dans différentes belles maisons françaises. Et après je suis revenu au Bercail, dans une maison qui est loin d'être celle qu'elle est aujourd'hui. Une maison familiale qu'il fallait redresser et réinventer. On a un style qui est très marqué, et voilà, c'est une cuisine qui est contemporaine, d'une photographie d'un territoire physique, moral et mental. Mon territoire physique, moral et mental. Physique par sa campagne, tout ce qu'elle nous offre, moral et mental, par rapport à nos humeurs, à nos rêves, à nos fantasmes. La cuisine n'est ni plus ni moins qu'un reflet de nos humeurs et de cette sensibilité et de l'instant présent. Pour moi, ça ne peut pas être bon si c'est pas beau. On est tout le temps en train de se réinventer, en train de trouver d'autres pistes, de prendre des produits à contre-pied, des produits populaires, des choses qui sont connues par tout le monde, qu'on mange à la maison. Et comment le réinventer pour lui donner une vision différente, une lecture différente et faire qu'il ait l'intérêt ici à la Grenouillère. Quand on prend des paris forts d'assumer d'être ce qu'on est chez soi, à la campagne, à la Madeleine sous Montreuil, pour faire résonner la maison, faire parler d'elle, et ils font partie de ces relais importants pour notre métier.